Donc, je vais vous présenter brièvement, parce que sinon j'y serai encore demain matin, de toutes les activités qu'il a eues. Le journaliste Jean-François Terbu, que certains d'entre vous connaissent sûrement parce qu'il a été rédacteur en chef à la fin de sa carrière de journaliste sur le journal télévisé de Nice. Mais avant ça, il avait fait des études de sociologie. Il débute comme pigiste à Nice Matin, RTL 3 Côte d'Azur, correspondant sud-est de France Inter, assure les multiplex football et des agences unétiques pour international et l'agence centrale de presse Figaro Dimanche, Sud-Ouest et le Républicain Lorraine. Donc c'est dire qu'il a une vaste expérience des milieux de différentes tendances politiques dans la presse écrite et audiovisuelle. Journaliste spécialisé en FR3, Méditerranée, présentateur du JT du FR3, Côte d'Azur, il produit de nombreux reportages, par exemple le massacre de Sabra et Shatila, le premier conflit de l'Irak et de l'Iran, les artistes contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il rencontre Mandela et Desmond Tutu. Il est spécialiste de la politique internationale et nationale des pays du pourtour méditerranéen. Il obtient le prix du Club de la presse pour l'Algérie 25 ans après, en 1988. Il réalise de nombreux reportages et de magazines sur Regard, G'ARD. Rédacteur en chef à FR3 Côte d'Azur, chargé France Télévisions des questions méditerranéennes et des affaires internationales du pourtour méditerranéen et même débordant un peu ce pourtour. Engagé politiquement et syndicalement, il est secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT. Il est également membre du comité exécutif de l'Organisation internationale des journalistes chargé des libertés de la presse. Ça, c'est un rôle extrêmement important parce que ça concerne les journalistes de tous les pays et pas que. Pendant toute sa carrière, il a également enseigné, c'est riche de son expérience et de ce qu'ils avaient, mais il a également continué d'apprendre, c'est-à-dire de sa formation, et il s'est assuré qu'elle soit permanente. Il est auteur de nombreux ouvrages, je vous citerai pour mémoire, en 2022, donc cette année, chez Helvétius, fait avec Gilles Pérugnon, pour un développement durable, l'électricité pour tous, en plein dans le débat d'aujourd'hui. Il est défenseur de la liberté de la presse et du droit d'expression. Pour lui, la défense des libertés de la presse et du droit d'informer en donnant le plus d'éléments possible au public, c'est une vocation, ça ne se discute pas, c'est une passion. Politiquement, il s'est engagé très tôt dans les jeunesses communistes et après au Parti communiste français. Il a été élu à ce titre, notamment à Canet-sur-Mer, comme conseiller municipal. Et maintenant, je vais lui laisser la parole. J'insiste particulièrement sur cet ouvrage, qui est l'ouvrage de ses combats en tant que journaliste, notamment à FR3 Côte d'Azur. C'est un livre que j'ai lu, je peux vous dire qu'il est très intéressant, parce que d'abord, il est bourré d'anecdotes, mais ensuite, il développe justement le fil de ce combat pour avoir le droit de prendre les informations où on les trouve, même pas là où c'est pas politiquement correct d'aller les chercher, et de les répandre dans tout le public pour que celui-ci soit à même de se faire une opinion fondée, pas tronquée parce qu'il n'a pas eu tous les éléments pour peser pour le contre, etc. Merci Nicole. Donc vous aurez compris pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'en ai quelques-uns dans le sac pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais la plupart vous l'avez lu déjà. Comme je connais les trois quarts de la salle. Je vous remercie de bien vouloir allumer vos portables, que j'avais sûrement éteint, à la fin de cette conférence. Merci. Merci Nicole. Bonsoir, écoutez, ça fait particulièrement plaisir de vous voir là
en trois jours d'un débat essentiel. Donc, le thème originel de la conférence, choisi par les amis, c'était les nouveaux médias et les jeunes. Et j'ai pensé, je leur ai proposé donc qu'on rajoute les nouveaux médias, les jeunes et la politique. Parce que c'est un événement important qui a beaucoup bouleversé la question de l'information sur les réseaux sociaux chez les jeunes. Car cette question des rapports entre réseaux sociaux, jeunes et politique est devenue virale en moins de 2 ans. Et d'ailleurs, ces jeunes qui ont bien voulu venir ce soir vous expliquer après le débat introductif, l'introduction, pourquoi ils vont sur ces réseaux, parce que moi je vous avoue qu'avant de préparer cette conférence, je n'y étais pas allé, je suis un fidèle de Facebook et de Twitter, vu mon âge. Donc, après bien des tâtonnements, vous croyez enfin être, comme vos progénitures, devenus des utilisateurs avertis des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous utilisez, comme moi, Facebook et Twitter. Eh bien, détrompez-vous, car vos enfants et petits-enfants n'utilisent quasiment plus ces réseaux destinés, selon eux, aux anciens. Eux, c'est Brut, Snapchat, TikTok, Twitch et tant d'autres. Ça vous parle peut-être pas, et pourtant. Un événement planétaire vous a peut-être échappé. C'était en 2020. On apprenait que TikTok, plateforme lancée en 2016, était devenue l'application mobile la plus téléchargée au monde, 850 millions d'utilisateurs mensuels devant Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger, ces 4 services du géant californien des réseaux sociaux, et viennent ensuite Snapchat et Telegram. La popularité de TikTok a explosé à la faveur des mesures de restrictions sanitaires et des confinements, et ce succès confirme que l'application a conquis de nouveaux utilisateurs au-delà de son public initial, les adolescents. TikTok, alors, Kezako, diriez-vous en bon niçois que vous êtes, même s'il y a des mentonnés et des grassois dans la salle, eh bien, si vous étiez adolescent, TikTok, vous ne pourriez l'ignorer. La plateforme, détenue par le groupe chinois ByteDance, diffuse essentiellement des vidéos rythmées, souvent musicales ou humoristiques. L'application promet une vision positive du monde. TikTok, c'est du bonheur, paraît-il. Le succès de TikTok est suivi de près. Instagram et d'autres réseaux ont copié son format de vidéos courtes avec des effets spéciaux faciles à utiliser. TikTok est par ailleurs devenu le nouvel Eldorado des marques commerciales. Quand une entreprise veut faire de la publicité, elle se tourne de plus en plus vers TikTok. Le réseau attire en effet les jeunes entrepreneurs comme les grandes marques. Avec plus de 3 milliards de téléchargements, les vidéos postées peuvent attirer des millions de vues très rapidement et faire cartonner un produit ou une entreprise. 67% des utilisateurs de TikTok dans le monde ont en effet plus de 25 ans en plus des ados et sont donc des consommateurs potentiels. Le hashtag TikTok Made Me Buy It, TikTok me l'a fait acheter, a été utilisé près de 9 milliards de fois. Tenez-vous bien avec les chiffres. Et pourquoi j'ai rajouté la politique ? Parce que l'importance de ces plateformes a séduit les politiques, certainement y compris ceux qui sont dans la salle ce soir. Merci d'être là, en tout cas, mes camarades de tout parti de gauche. Ces derniers mois, de nombreuses personnalités politiques ont investi de nouveaux formats sur les réseaux sociaux. Mais que cherchent donc les politiques sur ces plateformes ? D'abord, toucher une cible bien identifiée, les jeunes, qui s'affranchissent des médias traditionnels et qui consomment beaucoup l'information sur les réseaux sociaux. Les 18-24 ans sont 76% à s'informer d'abord sur Internet.
alors que seulement 34% des Français disent s'informer avant tout sur ces mêmes réseaux sociaux. Dans l'imaginaire des communicants politiques, et on sait qu'ils agissent beaucoup, Twitch et TikTok ont un avantage, celui de toucher donc une population plus jeune. Il faut donc être présent dans ces médias qui forment les esprits, car ces jeux peuvent en effet passer des messages politiques. Durant la pandémie, la consommation d'écran par les jeunes de 15 à 17 ans a fait un bond de 64%. 17 ans, c'est tout juste un an avant que ces jeunes puissent aller voter. Et pour ceux qui ont atteint les 18 ans et peuvent déjà voter, le gouvernement français a décidé de déployer ses arguments pour favoriser la participation sur Instagram, Snapchat et bien sûr TikTok. Ces derniers mois d'ailleurs, de nombreux politiques ont tenté de s'emparer des réseaux sociaux et de leurs codes. Les membres les plus jeunes de notre gouvernement ont très vite compris les enjeux. C'est dès l'été 2019 que Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, 30 ans, avait noué des partenariats avec plusieurs gros comptes pour faire la promotion du service national universel. Notamment avec Thibaut InShape, un vidéaste spécialiste, tenez-vous bien, de la musculation et du culte du corps. Mais c'est un influenceur qui est suivi par 7 920 000 abonnés, soit le quatrième compte français. Attal était déjà passé sur Instagram, Marlène Schiappa sur TikTok. Sur Instagram, Attal et Schiappa sont les deux ministres les plus viraux, avec respectivement 68 000 et 70 000 followers qui les suivent. Pour La République En Marche, le recours à des stars du web fait désormais système. En février 2020, la youtubeuse beauté Enjoy Phoenix, suivie par 3 670 000 abonnés, mettait en lumière la secrétaire d'État à la biodiversité, Brune Poirson. Entre le 21 et 24 février de la même année, sur un site web suivi par 6 360 000 abonnés, soit le 7e plus gros compte des youtubeurs français, un clip sur la sensibilisation aux gestes barrières et aux mesures sanitaires réalisé par deux humoristes animateurs du site à la demande de Macron a totalisé 11 millions de vues en 3 jours. Une opération gagnante auprès des jeunes pour l'exécutif est bien moins chère qu'une campagne gouvernementale sur les médias habituels. Depuis l'automne 2020, d'ailleurs, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui gère seul ses réseaux sociaux, se prête quasiment chaque dimanche à l'exercice avec des influenceurs comme Sandy Jules, 19 ans, ou encore Enzo Tétois, 15 ans, 1 million d'abonnés pour toucher les collégiens et les lycéens. Salut jeune entrepreneur, lâché fin novembre 2020 Marlène Schiappa dans sa première vidéo TikTok, parodiant ainsi un influenceur suisse devenu viral sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, s'était quant à lui fendu d'un clin d'œil aux paroles du tube de rap Bande Organisée pour sensibiliser au port du masque en covoiturage. Salut les gens, aujourd'hui on a rendez-vous avec monsieur Gabriel Attal, s'exclame Thibaut InShape, grand sourire sur le visage et bien sûr t-shirt de sport sur le dos. En ce 29 novembre 2020, le youtubeur fitness démarre un live Instagram avec le porte-parole du gouvernement. Yo, lance l'influenceur, alors qu'apparaît à l'écran le secrétaire d'État en tenue décontractée. Dame, la team shape, rigole Gabriel Attal, reprenant dans un parfait franglais la phrase d'accroche rituelle de Thibaut InShape. Exit les formalités, tous deux se tutoient. Confinement, masque, vaccin. Pendant près d'une demi-heure, il balaye les questions de la communauté du youtubeur
qui compte près de 8 millions d'abonnés sur la plateforme vidéo et plus de 4 millions sur Instagram. Attal a d'ailleurs lancé le 24 février 2021 sur Twitch, en direct de l'Elysée et en streaming. Bon, le streaming, c'est ce qui permet effectivement la lecture d'un flux audio ou vidéo au fur et à mesure qu'il est diffusé. Donc il lance en streaming depuis l'Elysée une émission mensuelle d'échange intitulée « Sans filtre » avec tutoiement de rigueur et interpellation de jeunes influenceurs durant plus d'une heure. Il débriefe les conseils des ministres avec des influenceurs, même exercice qu'une conférence de presse, mais journaliste et contradiction en moins. Ceci dit, Attal a beau parler à des influenceurs, il ne peut quand même pas dire plus, il ne faut pas exagérer, que ce qu'il dit en conférence de presse pour les journalistes. Mais, passe mieux, c'est jeune, yo. En mai 2021, Macron avait lancé un défi à deux youtubeurs, McFly et Carlito. Le 23 mai 2021, Macron s'invitait donc dans une vidéo entretien sur YouTube avec eux. Une vidéo vue par plus de 13 millions de personnes en 7 jours. Le but du jeu ? Des échanges d'anecdotes à propos desquels l'on doit trouver si ces anecdotes sont des fake news. C'est ainsi qu'on avait découvert, en direct, Macron téléphonant à Mbappé et ne riez pas, lui annonçant qu'il avait lui-même effectué son transfert à Marseille. Vous voyez comme c'est intéressant que le président s'exprime là-dessus. Encore plus fort, le 2 août, en pleine vacances, après les manifestations contre le pass sanitaire depuis le fort de Brégançon, Macron, en t-shirt à manches courtes, se filmant visiblement lui-même avec son smartphone, s'adressait aux jeunes par vidéo sur Instagram et TikTok, plus près des codes des influenceurs web que de ceux d'un chef d'État. Et Macron a annoncé « Certains d'entre vous entendent de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi. Il faut bien le dire, beaucoup répondent de fausses informations. » Il n'a pas dit « mais notamment les journalistes. » « Alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi. J'essaierai d'être le plus clair et le plus direct possible, » dit le président. Première question. Un jeune homme en bonne santé demande pourquoi se faire vacciner. Réponse donc immédiate de Macron, le faire pour vos proches, ce qui réduira le risque d'en contaminer d'autres. Tu vois, Jean-Louis, tu as raison de garder ton masque. Cela a-t-il servi à quelque chose selon vous? Ben plutôt, puisque cette émission a été vue 1 million de fois en une après-midi. Et 5 jours plus tard, par 49 millions. Personne. Twitch, TikTok, Clubhouse. Mais alors pourquoi les politiques investissent autant ces nouveaux réseaux sociaux? Parce que tout nouvel espace d'échange mérite d'être investi. D'abord parce qu'il faut toucher les jeunes. Et c'est utile lorsqu'on cherche à toucher un électorat qui malheureusement vote peu. En visant la jeunesse et leurs réseaux sociaux, les politiques peuvent en plus faire coup double. Le problème numéro un des jeunes en France, c'est qu'ils ne votent pas. Donc, on ne va pas obligatoirement et en priorité s'adresser à eux pour avoir leur vote. Mais on va s'adresser à eux pour montrer qu'on est sensible aux jeunes. Pour le service public audiovisuel, malheureusement, ça avait commencé dès le 9 mars 2021. François Hollande était l'invité du journaliste de France Info, Samuel Etienne, sur la plateforme de streaming Twitch. Je ne sais pas si Patrick et Fouzia vous avez regardé, mais enfin non. Samuel Etienne est ainsi devenu l'un des streamers, un communicant phare du réseau social, où chacun peut diffuser ses propres vidéos en public, et c'est le service public audiovisuel qui le permet. Pour sa rencontre avec Samuel Etienne, Hollande a été vu par 84 000 personnes,
et obtenu 650 000 replays pour un échange de 2h30 avec les seules questions du chat. Et depuis, et vous l'avez vu si vous regardez le 20h de France 2 notamment, depuis donc, après certaines émissions diffusées aux 20h de France 2 par exemple, l'internaute peut, sur Twitch, continuer la discussion interactive avec l'invité du journal télévisé. Le 14 mars, c'était le tour de Castex, interviewé toujours par Samuel Etienne, toujours sur Twitch, qui avait été suivi par 85 000 internautes. Avant l'interview, Attal avait déclaré, toujours lui, « Il ne peut y avoir de snobisme en matière de communication ». Le Premier ministre avait donc répondu pendant 1h30 aux questions des internautes sur cette plateforme en ligne. Castex souhaitait, avec le nouveau format d'entretien, disait-il, faire de la pédagogie sur les sujets d'actualité. Ce que je voulais, poursuivait-il, c'est parler avec des personnes qui n'écoutent pas forcément les conférences de presse et rendre ainsi compte des décisions que nous prenons. Cet entretien avait été largement consacré à l'épidémie et à la réponse gouvernementale à la crise sanitaire. Un des derniers nés de ces réseaux, que je connais bien car l'équipe de campagne de mon candidat, je ne vous dirai pas lequel, l'a installé, s'appelle Discord. C'est un logiciel gratuit de messagerie instantanée, créé par une communauté de gamers, de joueurs en ligne. Et c'est un outil que j'utilise et qui est assez extraordinaire car il permet d'échanger à l'écrit, à l'oral, de partager des documents, d'organiser facilement des visioconférences et des formations grâce au partage d'écran. Tout cela en accès d'un navigateur, d'un smartphone ou d'un ordinateur. Il a d'ailleurs ce Discord, il a d'ailleurs été largement utilisé par les personnels éducatifs pour assurer la continuité pédagogique pendant les confinements. On verra dans les mois et les années à venir ce que dira l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui depuis le 1er janvier a remplacé le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour l'instant, l'ARCOM ne dit rien. Or, l'influence de ces réseaux est telle qu'elle inquiète au plus haut niveau des États. TikTok a ainsi passé des mois difficiles fin 2019. L'ex-président Trump avait tenté de le faire interdire par décret, l'accusant de servir à espionner les Américains pour le compte de Pékin. Je rappelle que TikTok appartient aux Chinois. En juin, Joe Biden avait annoncé la révocation des décrets de son prédécesseur, certes, tout en demandant à son administration d'enquêter sur les risques réels posés par les applications Internet détenues par des puissances étrangères. Et le 29 mai 2021, c'est la Commission européenne qui lançait même une action à l'encontre du réseau social TikTok, accusé de recourir à des publicités déguisées et ciblant les enfants, pour qu'il se conforme donc TikTok aux règles de protection des consommateurs de l'Union européenne. Alors pour finir cette introduction, quels bénéfices pour les politiques? Les avantages tout d'abord, il y en a. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, le contradictoire n'y est pas assuré la plupart du temps. Un seul invité, pas de journaliste, pas d'opposant. Sur Twitch, Instagram ou TikTok, les politiques sont seuls, parle directement aux internautes, sans journalistes donc, sans filtre, comme Trump le faisait sur Twitter. Et c'est une aubaine, bien évidemment, pour certains politiques. Un outil comme Twitch, ou une discussion avec des influenceurs Instagram, sont aussi perçus comme moins stéréotypés, moins agressifs qu'un échange avec un journaliste sur un média traditionnel. C'est en fait la réactivation du mythe de la démocratie directe qui s'affranchit des filtres traditionnels du journaliste politique, on le squeeze, car il est considéré comme plus critique, oui, parfois seulement, je sais ce que vous allez me dire. En allant sur ces réseaux, donc, les politiques se disent qu'ils vont avoir affaire à un public
plus bienveillant et moins politisé. Ainsi, Samuel Etienne sur Twitch met en avant le conseil de bienveillance sur sa chaîne, comme si un journaliste devait être bienveillant. De plus, la présence sur un nouveau réseau social génère un effet boomerang. Les interventions sont en effet aujourd'hui quotidiennement reprises dans les journaux télévisés, et même plus, donc je le disais tout à l'heure, les internautes peuvent continuer le débat sur Twitch. À cela s'ajoute qu'être rapidement, pour un politique, identifié sur une plateforme émergente peut s'avérer stratégique, car si vous vous inscrivez en premier sur un nouveau réseau social, votre communauté sera aussi la première à s'y implanter et à se fédérer. Alors pour finir, les problèmes que ça soulève, il y en a quand même quelques-uns. Avec ce type d'initiative, ce que vous gagnez en proximité, vous le perdez en sacralité, en autorité reconnue. Plus décontracté, plus jeune, plus cool, on gagne en chalandise, mais on perd en sacralité, en autorité, notamment présidentielle ou ministérielle. Il y a aussi le risque dans ce type de procédé d'être soupçonné d'une forme de gadgetisation du langage politique. Sur certaines questions, il est aussi compliqué pour un responsable de l'envergure d'un ministre ou d'un président de répondre directement à certaines questions. En tout cas, ces réseaux sociaux sont devenus des caisses de résonance stratégiques dont les politiques peuvent aujourd'hui difficilement se passer. Car si la télévision reste le média de masse, une campagne se joue aussi sur les réseaux sociaux, même si ces plateformes ne sont pas prêtes, rassurez-vous, à remplacer nos bons vieux meetings électoraux et nos affichages et nos boîtages. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant laisser la parole à ces jeunes, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai continué à utiliser Facebook et Twitter. Je suis allé sur ces réseaux pour voir ce dont il s'agissait, mais je crois que le mieux, c'est que ce soit eux qui vous disent pourquoi ils y vont, qu'est-ce qu'ils y recherchent, qu'est-ce qu'ils y trouvent. C'est à vous les jeunes. En tout cas, merci d'être venus, vous vous présentez, parce que je les vaguement de vue, mais les prénoms, je les connais. En tout cas, vous avez eu la parité respectée. Hein. Sorry. En tout cas, on a toujours besoin d'un technicien du son. Excusez-moi si vous entendez sonner, c'est pour contrôler mon diabète, que je ne fasse pas d'hypoglycémie, que je ne vous largue pas de... Non, c'est bon. Alors, pour me présenter, alors, je m'appelle Léna, j'ai 22 ans et je suis militante aux Jeunes Communistes en tant que trésorière. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon utilisation un petit peu des réseaux sociaux, ce que j'y trouve, parce que c'est vrai que j'y vais assez fréquemment. Plus près. Ouais. Vous m'entendez ? Voilà, c'est bon. Ouais. Donc je vais commencer par vous parler d'Instagram. Alors c'est un réseau qui permet de poster des photos. On ne peut pas juste poster du texte ou poster des vidéos. C'est un réseau très prisé des jeunes. En France, 36% des utilisateurs ont entre 13 et 24 ans. Et 31% entre 25 et 34 ans, ce qui fait que 67%, soit près de 7 utilisateurs sur 10, ont moins de 34 ans. Alors sur Instagram, il y a quelques pages politiques. Il y a beaucoup de féministes qui postent des photos de collages, par exemple. Aussi, on peut y trouver des témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles. En ça, c'est un réseau qui peut, entre autres, faciliter la prise de parole. On peut aussi dire que comme Facebook où il y a l'énergie, c'est-à-dire une communauté d'internautes qui crée des mèmes qui deviennent parfois célèbres, il y en a une part qui s'est aussi installée sur Instagram, ce qui fait qu'on peut y trouver beaucoup de pages de mèmes, y compris des mèmes politiques. Bon, je précise au cas où, un mème c'est une image ou un dessin avec un texte qui est souvent hors contexte, avec l'image du coup, mais qui est pertinent, ce qui crée du coup un décalage à visée humoristique. Et c'est très utilisé par les jeunes. Alors, en un sens, ça peut permettre de se faire quelques petites idées sur la politique grâce au fait qu'elle soit amenée justement par l'humour,
Après, on peut toujours y voir un risque de, en quelque sorte, de mutation du militantisme, où certains trouveraient davantage leur compte à militer, enfin, si je puis dire, ou en tout cas partager du contenu entre propagande et humour, plutôt qu'à aller rejoindre une organisation politique. Évidemment, on peut toujours faire les deux, mais voilà, il faut dire que c'est tentant de simplement militer sur un terrain numérique, surtout si on a une activité à côté. Et on retrouve un peu ce problème avec Twitter qu'on abordera à la toute fin. Aussi, on peut ajouter que sur Instagram, il est fréquent, comme c'est une plateforme de publication de photos, d'y voir des images photoshopées, ou en tout cas retouchées de mannequins ou simplement de personnes qui rentrent dans des critères de beauté, et qui exposent un corps vu comme parfait aux yeux de tout un chacun, c'est-à-dire de nous qui ne rentrons pas forcément dans ces critères, ce qui donc facilite la création de complexes, surtout chez les femmes. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde se plie béatement au diktat de beauté, il y a aussi heureusement des Instagrammeurs et des Instagrammeuses qui montrent l'envers du décor en montrant par exemple un avant-après retouche, ou qui montrent le contraste voilà, entre une photo où ils vont rentrer le ventre et une photo où ils vont se montrer plutôt totalement décontractés, ce qui va aller démystifier un petit peu le concept des canons de beauté. Maintenant, toujours est-il que les photos retouchées sont loin d'être passées de mode, et c'est aussi au militantisme et aux luttes féministes, entre autres, de dénoncer le culte de la perfection inatteignable, où les personnes, surtout les femmes, doivent travailler à se rapprocher au maximum de l'image que la société actuelle se fait de la beauté, c'est-à-dire un monde totalement binaire et caricatural, hein, où les hommes sont grands et musclés, les femmes petites et fines, musclées mais pas trop, maquillées mais pas trop, habillées bah, ni trop ni pas assez, toujours à la mode, etc. Bref, un monde qui satisfait bien les entreprises de fast fashion, les influenceurs qui vendent un programme pour perdre 15 kilos en deux semaines ou en mangeant juste un aliment miracle, et les gens qui s'imaginent coach sportif mais qui n'ont comme formation en éducation physique que les conseils qu'ils ont eux-mêmes qu'ils ont même entendu sur les réseaux sociaux. Alors, à titre personnel, je me sers surtout d'Instagram pour voir voilà, des mèmes. J'y suis beaucoup de comptes pour avoir des photos d'animaux aussi, ça se fait beaucoup. Et je suis des personnalités publiques que j'apprécie. Je regarde des actualités de mes amis qui postent des photos de vacances, par exemple. À titre personnel, je ne poste pas beaucoup, mais voilà, j'y vais beaucoup pour passer le temps. Aussi, j'y vais parce qu'il y a une messagerie instantanée sur Instagram. J'ai un groupe de promotion dessus, donc de ma fac, de ma licence. Donc j'y change beaucoup sur les cours. On fait passer des infos qui concernent tout le monde, etc. Bref, c'est un réseau assez polyvalent, mais qui est vraiment centré sur la photo. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Salomé, j'ai 20 ans et je fais partie aussi de la jeunesse communiste. Alors moi je veux vraiment vous parler uniquement de ma façon d'utiliser les réseaux sociaux et là du coup je vais commencer par Instagram et je vais pas vous mentir, ma façon d'utiliser Instagram est de façon très narcissique. J'ai tendance à beaucoup utiliser Instagram pour poster des photos de moi, des photos que je trouve belles, des photos que je vais avoir envie de partager avec mes amis. Et ça me permet personnellement d'augmenter ma confiance en moi. Parce que je vais avoir des photos qui vont vraiment me paraître très jolies de ma personne. Et en les postant, en fait, je me sens plus jolie, je me sens mieux. Et je sais pas pourquoi, mais ça fait cet effet-là sur moi. Les personnes à qui je partage ces photos, c'est uniquement mes abonnés. Donc en fait, les abonnés, chez moi, ça regroupe uniquement mes amis, ma famille et mes connaissances de lycée. Et je vais également utiliser ce réseau social pour suivre la vie quotidienne de deux personnes que j'apprécie, des influenceurs, des youtubeuses beauté, des stars comme par exemple Beyoncé. Et également pour rester en contact avec certains anciens amis que j'avais au collège, au lycée ou même que j'ai en primaire et qu'on s'est retrouvés grâce aux réseaux sociaux. Ok.
Maintenant, on va vous parler de TikTok, donc, qui a été un petit peu abordé. Alors, c'est surtout un réseau utilisé par les plus jeunes des jeunes, donc les lycéens, etc. Mais il y a aussi d'autres catégories d'âge. Parfois, on y trouve du contenu militant, des vidéos politiques, mais c'est vraiment pas très investi justement par les militants ou les politiques, comme peut l'être Twitter ou même Facebook, par exemple, dans une moindre mesure. C'est surtout des vidéos de danse, des défis, des humoristes, des gens qui donnent des conseils de vie, comme par exemple comment réviser efficacement des cours, ou encore, c'est la mode en ce moment, des gens qui font du playback sur des chansons. Pour le militantisme, même si certaines personnalités politiques s'y mettent, ça marche pas forcément, alors peut-être que c'est pas vraiment la cible. En tout cas, au niveau individuel, il y a moyen de se faire connaître et de gagner assez vite en visibilité. Aussi, ce sont jamais des gens particulièrement formés qui se sont fait connaître en amont sur d'autres plateformes, c'est surtout des nouveaux, des jeunes, pas forcément ouvertement affiliés à une organisation ou qui ont l'étiquette du militant. Qui s'expriment de manière, c'est des gens qui s'expriment de manière légère, en musique ou en dansant par exemple, sur des sujets de société très divers. C'est aussi une opportunité pour les jeunes LGBTI de faire leur coming out de manière publique, sans trop craindre de répercussions de la famille par exemple, étant donné que les anciennes générations n'y sont qu'en extrême minorité. Pour ce qui est de mon utilisation personnelle de TikTok, j'y vais vraiment dans une volonté de me vider la tête, de regarder des vidéos drôles dans un but de divertissement uniquement. Elles ont bien bossé, hein. Alors, personnellement, TikTok, c'est ma principale source de divertissement. Parce que sur TikTok, en fait, clairement, on trouve de tout. On peut trouver des personnes qui vont danser, on peut trouver des personnes qui vont faire des tutoriels make-up, on peut trouver des vidéos drôles, beaucoup, énormément de bêtises. pour moi, ça me permet vraiment de m'évader totalement, en fait, et de couper un peu avec le monde réel, entre guillemets. Malheureusement, pour moi, ce réseau, il est très chronophage, et c'est sûrement le plus chronophage de tous. Parce que quand on est sur TikTok, on a tendance en fait à pas voir le temps passer. Et on va défiler les vidéos qui arrivent et on va passer plusieurs minutes, voire plusieurs heures dessus. Moi personnellement, je vous avoue que mon compagnon en a vraiment marre de TikTok. Il a deux doigts de balancer mon téléphone par la fenêtre. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un moyen pour moi en tout cas de me détendre, de me vider la tête, de faire en sorte que tout ce qui est autour en fait n'existe plus et de rigoler un petit peu. Voilà. Merci. Donc, maintenant on va vous parler de Snapchat. Alors c'est un réseau qui permet de s'envoyer du contenu visuel qui a la particularité de n'être visible que dans un temps limité, par exemple 5 secondes. Donc ça permet entre autres de s'assurer que l'interlocuteur ne garde pas les preuves d'une discussion qui peut être compromettante. C'est pratique par exemple pour l'envoi de nude, c'est-à-dire de contenu à caractère sexuel, quand on n'est pas 100% sûr de quelqu'un, disons que ça peut limiter les risques. D'ailleurs je dis contenu visuel, mais souvent les utilisateurs de Snapchat prennent une photo et rajoutent une légende avant de l'envoyer. Ça peut être 5 lignes de texte. Et l'interlocuteur répond en faisant la même chose. À la fin, ça donne des conversations, mais elles sont toujours assez courtes en général. Aussi, on peut noter que si jamais quelqu'un prend une capture d'écran d'une photo, la personne qui l'a envoyée est immédiatement notifiée de la capture. Donc ça fonctionne un peu comme une forme de dissuasion. Évidemment, le côté messagerie instantanée éphémère a aussi ses travers. Par exemple, des utilisateurs mal intentionnés peuvent l'utiliser pour faire leur affaire sans laisser de traces. C'est par exemple le cas d'Uber Bagar. Alors si vous ne connaissez pas, bon, c'est vraiment très anecdotique. Il s'agit d'un service disponible sur Snapchat qui permet de mettre quelqu'un en relation avec un individu totalement inconnu et habitué du coup des bagarres pour qu'il aille tabasser une personne avec qui il est en de mauvais termes en échange d'une rémunération. Aussi, c'est fréquent que le trafic de drogue se fasse sur ce réseau.
On va finir aussi d'une même manière qu'Instagram sur le fait que Snapchat s'est aussi fait connaître par ses filtres. Je ne sais pas si vous avez vu le filtre chien qui est assez connu. Maintenant, on a des filtres pour tout qui créent des taches de rousseur, des pommettes remontées, qui donnent finalement un visage très, très juvénile, ce qui a eu pour effet secondaire de créer chez certaines personnes de la dysmorphophobie, c'est-à-dire l'incapacité à se reconnaître en vrai devant un miroir. Mais encore une fois, c'est vraiment très anecdotique, mais il y a même des gens qui sont fait opérer, qui ont fait de la chirurgie esthétique pour ressembler justement aux 10 filtres. Du coup, voilà, ça peut être très ludique, mais c'est comme tout. C'est vraiment important de sensibiliser le plus grand monde sur l'utilisation des réseaux et d'informer sur ce qui pouvait relever de comportements à risque. Alors moi, concernant Snapchat, c'est vraiment mon outil de communication principal. Je l'utilise tout le temps pour discuter avec mes amis, des choses plus ou moins importantes, et surtout pour partager des moments drôles de ma vie avec eux. Surtout par exemple quand je vais me casser la figure, parce que ça m'arrive très régulièrement. Je vais leur envoyer une vidéo pour leur raconter ce qui vient de m'arriver, et pour leur montrer par exemple les bleus que je peux avoir sur mes genoux. Ce que j'aime beaucoup sur ce réseau, c'est le fait qu'on peut partager aussi bien par message, en vidéo ou en photo. Donc ça, c'est assez pratique et ça reste pas spécialement de façon définitive parce que comme l'a expliqué Léna tout à l'heure, ça disparaît assez rapidement. À moins qu'on enregistre les messages photos ou vidéos, ils disparaissent dès que la personne les a ouverts. Excusez-moi. Petit problème technique. Et je trouve aussi que ce réseau a un côté très amusant car il est possible d'utiliser du coup les filtres photos qui peuvent être drôles ou juste beaux pour éviter qu'on voit notre sale tête du matin. Voilà. Je profite pendant qu'il parle pour vous laisser 2 minutes le temps d'aller me faire une piqûre insuline. Les garçons. Donc moi je m'occupe de Discord, de ce que j'ai compris. Déjà je tenais à remercier mes camarades qui ont beaucoup travaillé, et cela en l'espace de 2 jours seulement, qui ont travaillé je crois de nuit en plus pour vous préparer cette belle formation. Vraiment je les remercie. Moi je vais m'occuper d'un réseau social que Jean-François a... Je sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui. Moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans, je suis aussi à la jeunesse communiste des Alpes-Maritimes et j'occupe le poste de secrétaire départemental depuis 2 ans maintenant. Jean-François l'a très bien expliqué, je trouve, le réseau social Discord, qui est un réseau social aussi donc, qui fait partie de ces nouveaux médias, que la jeunesse utilise beaucoup, d'abord en lien avec les jeux vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... c'est une application en fait qui a succédé à l'application Skype d'un point de vue historique, parce qu'elle était plus pratique, plus facile d'utilisation et avec plus de potentialité, plus de potentiel pour ses utilisateurs. Avec différents canaux de channels vocaux ou textuels qui permettent d'échanger plus rapidement. Et surtout, il y avait une ergonomie en termes de stream en direct. Bref, tout ça pour dire, c'est très pratique dans les milieux qui soient d'influenceurs pour renvoyer toute une communauté, discuter ensemble et donc parler d'un produit, parler d'une personne, parler de nouvelles, ou que ce soit sur les réseaux qui peuvent être militants ou politiques. On peut se souvenir qu'en 2017, un des Discord les plus présents dans la vie politique, c'était celui de la France Insoumise, qui a marqué par cette utilisation nouvelle de ce réseau qui était en train de monter. Discord, c'est aussi, comme l'a rappelé Jeff, un outil de formation efficace, parce que c'est vrai qu'il permet de partager rapidement un écran et puis aussi d'enregistrer à côté, ce qui permet donc pour des gamers avec un public qui les suit de voir en direct leurs accomplissements sur les jeux vidéo avec une petite fenêtre où ils voient leur tête en bas, qu'ils peuvent aussi retransmettre sur Twitch par exemple, mais Twitch on va en parler juste après. Bref, Discord c'est aussi un lieu où il y a eu des rencontres dernièrement. Il y a une anecdote qu'il faut quand même vous raconter. Un youtubeur
plus connue, avait eu l'idée de proposer de créer un drapeau avec tous ses abonnés. Chaque personne pouvait s'inscrire et posséder un pixel et s'entendre en coopération avec les possesseurs de pixels de la côté pour faire une œuvre pixelisée sur donc ce petit drapeau. Et cela a vraiment mené à une vraie passion en fait, ils se sont découpés des territoires pour créer des visuels le plus joli possible. Et ça a marqué en fait aussi la plateforme Discord parce que tout le monde s'est retrouvé sur ce réseau-là pour pouvoir échanger facilement puisqu'ils venaient de la communauté francophone tout autour du globe. Et en fait, suite à ça, ces communautés-là se sont entérinées parfois, ont fait des rencontres réelles, se sont rencontrées, bref. On a cet épisode-là dans l'année en fin 2021 qui a mené à une expérience assez inédite en la question et qui est plutôt intéressante de rappeler. Je les suis de près parce que mon jeune frère était vraiment là-dedans. Il a été jusqu'à Nantes pour rencontrer une trentaine d'amis virtuels. Et quelque chose qui ne se faisait pas avec des plateformes comme de réseaux sociaux comme Twitter ou autre quelques années auparavant. Je vais laisser la parole pour un autre réseau là-bas. Alors bonjour, je m'appelle Maxence. J'ai bientôt 17 ans, je fais partie de la jeunesse communiste depuis une semaine. J'aimerais vous parler d'un réseau moins connu qui n'a pas été évoqué. On m'entend là ? Oui, okay. Qui a moins été évoqué, ça s'appelle Telegram. C'est russe. C'est un mélange entre Twitter, une messagerie instantanée et Instagram. C'est un peu compliqué. L'intérêt du réseau, c'est qu'il est crypté, et donc personne ne peut pirater ou avoir connaissance d'une conversation sans y avoir été autorisé. Donc c'est un réseau qui est apparu en 2013. C'est un blanc. C'est un réseau qui est apparu en 2013 et qui a été énormément utilisé par des militants du monde entier. Étant donné que c'est, comme je l'ai dit, crypté, il a été aussi utilisé beaucoup dans des trafics en tout genre, trafic de drogue, etc. Il pourrait passer en dessous des radars des différents États. Il a failli être interdit dans l'Union Européenne, principalement en Allemagne. Et donc aussi il a aussi été utilisé par des militants dans certaines dictatures ou des militants partout dans le monde en réalité pour justement sa capacité à parce qu'il permet d'organiser des actions qui sont pas forcément autorisées sans que personne n'en ait conscience avant qu'elles aient lieu. Voilà. J'ai appris que je passais en fait il y a 10 minutes donc j'ai pas vraiment préparé grand chose. Bravo. Merci. On donnera la parole à la salle quand même, parce que je pense qu'ils ont des observations, des questions. J'ai mon truc, mais d'abord. Tu peux commencer, sinon. J'ai juste regardé les notes. On communiquait un Instagram là, entre eux. Je vais vous dire, ils ont fait un travail remarquable parce qu'ils ont bossé seulement mardi pour vous présenter leurs expériences. Et je crois qu'on peut les remercier et les applaudir parce que vraiment, la théorie c'est bien, mais c'est la pratique. C'est vraiment très complémentaire. Merci les filles. Là, les mecs, excusez-moi. Bon, j'allais dire pour finir, mais en fait, je vais faire cette dernière partie après. Je vais vous parler un petit peu de Twitter, encore une fois, depuis l'expérience que j'en ai. Je pense que vous connaissez peut-être un peu plus, disons que c'est pas très, très récent, c'est un réseau très investi politiquement,
ou des personnalités politiques influentes comme des jeunes nouveaux militants, pas forcément des militants d'ailleurs, s'expriment et donnent leur avis sur des sujets très actuels, ce qui ne manque pas de susciter des débats. Alors d'un côté, ça peut être très bénéfique d'avoir un lieu de débat et de discussion, finalement d'être aussi de conflit, parce que même s'il y a des communautés qui peuvent s'y former, les gens sont amenés à rentrer en confrontation entre eux. Donc ça peut être bénéfique pour pouvoir se forger une opinion et tester sa manière de la défendre. Autant ces débats peuvent parfois très vite prendre de l'ampleur grâce aux likes, aux retweets et aux commentaires. Et une discussion qui se faisait entre une dizaine de personnes peut très rapidement se retrouver dans la timeline, c'est-à-dire sur la page principale où on fait défiler les tweets, de 1000, 10 000, voire plus, hein, 100 000 personnes. Donc les gens qui sont à l'origine de la discussion peuvent rapidement se retrouver submergés de notifications, voire de messages privés, et ainsi voilà, être en proie au harcèlement. C'est ce qui arrive particulièrement aux petits comptes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont le malheur d'avoir un tweet ambigu qui a percé, auquel des gros comptes ont réagi, mobilisant ainsi leur communauté sur l'affaire, et qui donc doivent parfois quitter le réseau ou complètement se créer un nouveau compte. Évidemment, il y a parfois des propos très, très problématiques qui doivent être contrés. Autant c'est nécessaire d'identifier les formes de harcèlement sur les réseaux, qui ne se limitent d'ailleurs pas à une joute entre adversaires politiques clairement définis, mais qui se retrouvent parfois au sein d'une même famille politique. Aussi par rapport à la politique sur Twitter, on précise que si c'est un réseau particulièrement prisé des militants, encore aujourd'hui des jeunes, ce n'est pas pour autant un réseau dont la forme, dont l'agencement est bien calculé pour permettre des discussions qualitatives. Étant donné qu'il y a une limite de caractère pour écrire un tweet, pour formuler son idée, alors maintenant le problème a été en partie résolu grâce au thread, donc c'est la possibilité d'enchaîner les uns sur les autres des tweets, mais il n'en reste pas moins que l'esprit de synthèse poussé à l'extrême, la réduction, finalement la volonté de créer un fort impact, mais avec des phrases très courtes, sont restées ancrées sur le réseau. Ce qui donne l'occasion de rappeler que même si les réseaux permettent d'être facilement en contact avec les autres, le lieu privilégié des discussions et de la diffusion des discours politiques, si on veut qu'elle soit la plus efficace possible, reste quand même l'extérieur. D'ailleurs, si vous voulez ensuite poursuivre une discussion, ce sera avec plaisir. Avant ça, j'ai sa parole à Maxence, qui nous parlera de Twitch. Et après, je vous donne la parole. Alors, j'ai essayé de ne pas vous perdre, mais j'ai un peu continué à parler de Telegram parce que j'ai pas... J'essaie juste de raccourcir un petit peu pour que les personnes dans la salle, je suis persuadé qu'elles ont envie de parler, donc il nous reste une heure de débat, donc... Alors, je vais faire vite sur Twitch. Donc c'est une plateforme de vidéos, mais contrairement à YouTube, c'est une plateforme qui est basée sur des vidéos en direct. Voilà, donc c'est comme du direct radio, c'est comme du direct télé, seulement ça passe par Internet. Alors, la communauté francophone représente 4% du Twitch mondial, c'est assez important, et c'est un réseau qui permet assez vite d'en vivre. Voilà. Donc ça peut être un intérêt pour les personnes qui y travaillent. Comme on l'a dit avant, c'est un réseau qui permet entre autres une discussion en temps réel avec une communauté, donc pour des politiques, etc. Mais aussi pour toute autre chose, hein, ça peut être du divertissement, ça peut être, comme il l'appelle, du Twitch, du stream, excusez-moi. Un nouveau blanc. Il n'y a pas de souffleur, on n'est pas au théâtre. Allez, passe à ta copine à côté. Alors du coup, pour finir, moi j'aimerais vraiment vous parler du regard exact que je porte sur les réseaux sociaux, parce que je trouve ça important de sensibiliser là-dessus. Pas sur mon regard, hein, mais sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, pardon. Car selon moi, en fait, contrairement aux valeurs qu'ils prônent, parce que les réseaux sociaux c'est censé être un endroit où on est tous réunis, où ça se passe bien, où c'est merveilleux, c'est génial, ils ont plutôt tendance en fait à isoler socialement les gens.
pour plusieurs raisons. Déjà, le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux nous coupe du monde réel, parce qu'il ne faut pas l'oublier que les réseaux sociaux, c'est pas le monde réel. Mais aussi car, surtout pour TikTok et Instagram, il y a une grande tendance à vouloir montrer une vie, un corps, ainsi que des relations parfaites. En effet, la perfection n'existe pas, mais les réseaux sociaux veulent nous prouver le contraire. À travers les photos que l'on monte sur les réseaux sociaux qui ne sont pas le reflet de la réalité, les personnes qui voient ces photos, ces vidéos, peuvent commencer à se complexer de leur vie, mais aussi sur leur physique. Et ça, pour moi, c'est un réel problème qu'il y a sur les réseaux sociaux, car quand je vois par exemple ma petite cousine qui a 15 ans, qui vient me dire qu'elle ne se sent pas bien parce qu'elle a vu une vidéo ou une photo d'une fille qui était toute fine, avec des grosses fesses, des gros seins, et elle ne se sent pas bien à cause de ça, parce qu'elle va... se comparer à elle en fait en permanence. Après ce que je viens de vous dire, vous pouvez sûrement me demander, et à raison, pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Ayant seulement 20 ans, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai commencé à y être, j'avais à peine 12 ans. Et j'y suis encore. Ils font partie de ma vie de tous les jours, et cela est devenu normal pour moi, voire même une addiction. Mais je voudrais quand même vous parler aussi des bons points que je vois sur les réseaux sociaux, car malgré les mauvais côtés, il y en a aussi de très bons. Les réseaux sociaux, grâce à leur portée, peuvent permettre de faire passer des idées et de changer les choses, même si cela est compliqué. Par exemple, il y a quelques mois, voire même un ou deux ans, a commencé le mouvement du body positivisme. Il a permis à faire en sorte que, au lieu de voir juste un corps avec, comme je vous l'ai dit, des gros seins, des grosses fesses, une taille toute fine, de montrer en fait que tous les corps sont beaux, que c'est pas parce qu'on a des vergetures qu'on n'est pas beau, que c'est pas parce qu'on a, de la cellulite ou des varices ou encore je ne sais quoi, qu'on ne fait pas partie de la norme. Parce qu'en réalité, la norme, est-ce qu'elle existe vraiment ? Et moi, je trouve ça vraiment important de parler de ça et de sensibiliser à ça, donc à tout le monde, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, pour que justement on puisse avancer. Et moi, justement, le fait qu'on trouve qu'il n'y ait plus vraiment de normes aujourd'hui, et ben moi, je trouve ça beau et je trouve ça très fort. Merci à tous. Thibaut, tu conclus parce que c'est lui qui les a corniqués, qui a organisé tout le truc, donc tu conclus très rapidement. Après, on passe la parole à Jean-Pierre. La parole au public. Je voulais faire une petite synthèse, mais d'abord mettre un point sur Twitch. Jeff en a parlé rapidement, et c'est vrai que dans l'actualité immédiate, Twitch a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours avec ce qu'on appelait la Pixel Wars. Je vous ai raconté tout à l'heure par Discord quelque chose qui s'est passé en 2021. Il s'est passé la même chose depuis 5-6 jours là, mais au niveau international, par un réseau qui s'appelle Reddit. Et en direct sur Twitch, donc, l'idée était de faire une fresque éphémère où tous les pays, les communautés du monde participaient pour créer des dessins. Et il s'est passé donc des combats parce que des personnes détruisaient les dessins des autres, n'étaient pas bienveillants, bref. Il y a eu tout un drama qui était très très fortement suivi. J'ai pas les chiffres, mais c'était assez impressionnant. Et il faut dire que la communauté française, française, a beaucoup beaucoup fait parler d'elle, parce qu'elle s'est arrogée de façon unitaire toute une partie de la fresque et l'a défendue en mettant des symboles, alors des symboles de la culture internet, mais aussi des symboles de la France. On avait eu un Zidane géant sur un drapeau français, attaqué par les Espagnols, puis les Américains, bref. Au point que des journaux assez en vogue, comme on a eu le Figaro ou Numérama, ont fait des articles tous les jours dessus. Des politiques se sont ont pris le sujet à bras le corps. Je pense à Éric Zemmour, bon, qui s'est fait bashing, qui s'est fait taper sur le dos derrière parce qu'il cherchait à faire de la récupération sur le dos de certains influenceurs. Et on a eu donc un relais par rapport au réseau horaire de communautés francophones pour tenir en fait cette guerre des pixels. Finalement, ça met en valeur la recherche en fait de faire partie d'une communauté pour des jeunes. Comme je vous le racontais sur Discord tout à l'heure, il y avait eu de faire face à un ennemi commun pour défendre un projet.
Et le résultat de cette guerre des pixels, c'était qu'au bout d'une heure, on ne savait pas quand, tous les pixels devenaient blancs et la fresque donc, se détruisait pour laisser place à un énorme rectangle le blanc. La clé, c'était de s'amuser ensemble en défendant quelque chose, en se mobilisant, en faisant des raids pour défendre son dessin. Je voulais revenir sur ce que Jeff a parlé tout à l'heure des politiques qui prenaient place sur ces réseaux-là pour défendre soit leur propagande d'État, soit leur propagande personnelle. Lors de la crise du Covid, où les étudiants étaient largement touchés, et les jeunes en général, par la précarité extrême, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a trouvé la bonne idée de faire un live avec quatre influenceurs et influenceuses pour ne pas avoir donc de contradictions journalistiques. Le problème, c'est que c'est pas très bien passé. Alors la grande invitée, c'était Enjoy Phoenix, qui est voilà comme l'a dit Jeff, assez connue avec une forte communauté derrière elle, mais qui a posé une question assez acerbe en demandant si est-ce qu'ils étaient finalement légitimes à représenter les étudiants, sachant qu'ils ne l'étaient pas déjà, et qu'ils n'étaient pas journalistes. Ce à quoi le gouvernement a eu du mal à répondre, ce qui a mis à jour finalement leur but, qui était d'éviter les questions un peu embêtantes et de faire passer le fait que les influenceurs représentaient la jeunesse alors qu'ils ne sont pas précaires, voire pas du tout, et eux ils se plaignaient de ne pas pouvoir passer leurs vacances à Dubaï ou Bahamas pendant qu'on avait des coûts alimentaires à rallonge. Encore une fois, voilà, ça révèle une contradiction. Tout à l'heure, Salomé a dit quelque chose de très intéressant sur la recherche de récompenses immédiates, avec les likes, le fait de se montrer sur les réseaux, qu'on avait déjà sur des outils comme Facebook, qui prennent du temps, qui enferment un peu dans une communauté, une bulle où on a du mal à voir la contradiction d'une autre communauté. Ça, par rapport à ce qu'on appelle les algorithmes, en fait, des applications et des réseaux, qui, pour nous garder le plus longtemps sur les plateformes, vont nous donner du contenu avec lequel on est plutôt d'accord, ce qui est un problème de démocratie assez intéressant, puisque le fait de ne jamais avoir accès à la contradiction et de rester dans sa communauté nous rend de plus en plus de plus en plus non ouvert, en fait, finalement, aux idées des autres et à avoir du mal à défendre les nôtres, puisque quand on est dans un cercle clos, un vase clos... Thibaut, je vais faire ce que je faisais avec les politiques, tu vas te couper la parole. Il me reste deux points. Les camarades viennent de le rappeler, on tombe dans les réseaux sociaux de plus en plus jeunes, aussi par le fait que la plupart de nos amis y sont, et que c'est très difficile de résister au fait de ne pas télécharger le nouvel réseau social en vogue pour retrouver tous ses amis. Voilà. Léna parlait tout à l'heure du fait que les promotions en fac tournent sur les réseaux sociaux, par exemple. Et pour faire un bilan sur l'information, parce que Jean-François est quand même journaliste, c'est un petit clin d'œil final, c'est aussi la recherche d'informations décentralisées pour les jeunes, sachant que les médias dits dominants comme la presse écrite ou la télévision, la radio sont une caste assez fermée dans laquelle c'est très difficile d'interagir avec eux, même si on a quelques ouvertures à la radio, bref. Et surtout qu'il y avait un très grand mépris de la culture jeune et d'Internet par ces mêmes télévisions. Si vous vous souvenez comment on parlait des youtubeurs il y a 10 ans, on les invitait pour les humilier à la télévision. Et ça s'est beaucoup ressenti dans les communautés jeunes qui ont pris à bras le corps ces sources-là pour en fait les faire siennes. Et faire en sorte que n'importe qui puisse avoir une influence sur le réseau. Alors ça a les conséquences que ça a, certaines plus néfastes que d'autres, évidemment. Bref, c'est de prendre la parole. Thibaut. Merci. Voilà, merci. On les remercie vraiment parce que on a parlé de l'expérience du vécu. Donc voilà. On a quoi, 40 minutes là. Voilà, voilà. Allez. Donc on va poser des questions. Oui, juste quand on s'aperçoit que des hommes d'État comme Trump, même Macron utilise Tweet pour annoncer des décisions politiques. Vous voyez l'importance de ces réseaux sociaux et les jeunes nous ont expliqué un peu que ça peut être un échange démocratique, mais en même temps un blocage et ça enlève tous les rapports sociaux. C'est bon, j'avais donné un autre garde-levier. Ouais, voilà. Théoriquement, j'ai ouvert, je sais pas vers le. Oui, oui, oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bien.
Merci à tous pour toutes vos explications. Merci en particulier à Jeff de m'avoir dit que j'étais finalement hors course, ringard, etc., etc. Pourtant, moi, je croyais être dans le coup, et bien non. Alors, bon, plus sérieusement, on découvre, là, il faut dire les choses, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je découvre tout un tas de choses, là, comme ça. Je prends ça en pleine figure, le mot et la formule est exagérée, mais enfin bon, disons que je découvre tout ça. Bien, j'ai pas envie de juger, d'évaluer, de me positionner par rapport à tout ça. J'ai vaguement l'impression que c'est de toute manière incontrôlable, c'est gazeux, on ne sait pas trop, tous ces outils se recoupent en partie, etc. Bon, franchement là, comme ça, je n'ai pas de vision claire. Mais j'ai envie de poser quelques questions. Alors aux jeunes en particulier, aux jeunes qui se sont exprimés ce soir, est-ce que vous avez le sentiment, encore une fois, je ne m'exprime pas sur votre pratique des réseaux sociaux, on est d'accord, hein, mais est-ce que vous avez le sentiment que vos pratiques des réseaux sociaux interagissent et de quelle manière avec les autres segments de votre vie, parce que vous êtes par ailleurs étudiant, vous êtes inséré dans des familles ou des couples, et aussi ne l'oublions pas, surtout pas citoyen. Bon. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ces pratiques-là sont, je vais dire compatibles, ou elles peuvent s'accompagner d'autres pratiques? Est-ce qu'elles vous empêchent ou est-ce qu'elles vous gênent pour, par exemple, pour vos études? Qu'est-ce qu'elle représente par rapport à votre vie familiale, de couple et à votre vie de citoyen? Voilà, moi, votre pratique dans les réseaux, je la découvre. Pour moi, c'est surréaliste, c'est voilà, bien entendu, mais je ne suis sans doute pas le seul. Bon, je laisse ça de côté. Je ne dis pas qu'un jour je n'y viendrai pas. Mais bon, voilà, ma question c'est, quid de des autres aspects de votre existence? Qui répond? C'est vous, hein, c'est pas moi. Vas-y, vas-y. C'est pour ça que j'ai laissé... Je vais peut-être répondre pour une partie. Alors, comme tu l'as dit, Salomé, c'est extrêmement chronophage. Donc ça peut être assez compliqué pour la vie, même pour les études, avec la famille, etc. C'est un monde à part entière, en fait. Donc souvent, on peut être déconnecté, etc., du monde, de nos études, de la politique, de plein d'autres choses. Mais d'un autre côté, ça peut aussi permettre tout de même une connexion avec des personnes qu'on n'aurait pas pu connaître s'il n'y était pas. Voilà. Oui, alors les réseaux sont aussi un outil, voilà, comme vient de le rappeler Maxence, il y a du plus et du moins, il y a des personnes qu'on voit moins à cause de cela, il y a des personnes qu'on découvre grâce à cela. Aussi, comme l'a rappelé Léna, on peut y retrouver voilà, nos camarades de promo, mais en fait, ces réseaux, vous avez dit que vous les ressentez comme étant nébuleux, qu'ils sont recoupés, mais moi ça me fait penser aussi à la presse au 19e siècle, où il y en avait énormément en fait. Et oui, des fois ils disaient la même chose, mais voilà, le modèle évolue. Là, il évolue sur
Voilà, pareil, sur les chaînes de télévision, il y en a des milliers peut-être, hein, en fait. Les réseaux, voilà, il y en a quelques-uns avec plein de communautés. C'est aussi, finalement, une nouvelle façon de créer l'information et de la transmettre. Alors, moi, je n'ai pas de questions, mais je vais me permettre trois observations. La première, c'est que nous sommes au pays de Estrosi City, et quand je vous entends tous parler de vos photos et de vos vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait vraiment peur. Vous savez que Clearview a dit il y a une quinzaine de jours, ils se sont vantés d'avoir 3 milliards de photos stockées chez eux. Clearview a 3 milliards de photos. C'est-à-dire presque l'humanité tout entière, on va dire, pas loin. Et que par ailleurs, M. Estrosi réclame à Coréacri et finira par l'obtenir la reconnaissance faciale. Mais la reconnaissance faciale, ce n'est pas pour reconnaître votre belle binette, c'est simplement pour pouvoir la comparer avec les photos qu'il récupérera ensuite. Vous voyez ? Donc, moi, ça me fait vraiment peur. Alors, je fais partie d'une génération qui a vécu ce qu'étaient les dictatures en Amérique latine. Je ne sais pas si un opposant en Amérique latine aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, aurait pu échapper aux dictatures du Chili ou d'Argentine. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dire en priorité parce que nous sommes à Nice. Voilà. Ça, c'est le premier point. Je vous trouve quand même très innocent. Personnellement, je n'ai jamais mis une seule photo de moi sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je pratique beaucoup les réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est le nombre de vues, Jean-François, que tu as cité. Il est très impressionnant, mais attention, souvent, il suffit de regarder les jeunes dans le tram, consulter, on passe. Donc oui, des vues, il y en a, mais je pense que c'est quand même, ça demanderait être étudié sans doute par des neurologues, des psychiatres ou des psychologues. Mais je ne pense pas que ça ait un impact comme le nombre de personnes qui lient L'Humain ou Mediapart, tu vois, je pense que ce n'est pas du même niveau quand même, parce que, bon, ça chasse, ça passe. Troisième point, je ne veux pas trop monopoliser, je suis quand même étonné que vous n'ayez pas parlé du réseau Mastodon ou du réseau Diaspora, qui sont des réseaux totalement libres, et surtout qui sont des réseaux, comme tu l'as signalé, qui n'organisent pas ce que tu dois voir. Donc ce sont des réseaux... Alors Mastodon, c'est un peu c'est la copie de Twitter, qui marche parfaitement bien, moi j'y suis, ça marche très bien. Et Diaspora, c'est un peu la copie de Facebook. Mais avec la grosse différence, c'est que c'est toi qui décides qui tu vas voir. On ne t'impose pas comme Facebook t'impose, qui te fout devant le nez, et surtout, ils n'ont rien à te vendre. Alors je sais... C'est nettement moins suivi que les autres réseaux. Et donc, pour l'ego, c'est pas très bon, mais voilà. Juste un mot là-dessus. Certes, il ne reste peut-être pas très longtemps. Ce serait intéressant qu'ils nous disent d'ailleurs combien de temps il reste. Mais d'après ce que j'ai compris, pour ceux qui mettent des photos uniquement, ça va très vite. Mais je crois que si à la fois les entreprises et les politiques investissent ces réseaux, c'est que quelque part, il y a des retombées. Donc, et surtout quand on sait que pratiquement, donc, je crois que le chiffre donné tout à l'heure, 76% des jeunes ne sont que sur ces réseaux sociaux. On peut le regretter pour le Patriote, pour l'IMA, pour Témoignages Chrétiens, etc. Mais bon, moi, j'ai 5000 followers sur Facebook. 5000. Ça fait 7-8 ans que j'y suis. J'ai commencé quand j'étais élu au conseil municipal. Son copain m'avait dit, tu n'es pas sur Facebook avec des responsabilités politiques, donc je m'y suis mis. Et quand on a 5000, le débat, il est, surtout en ce moment, malheureusement, j'allais dire, et c'est encore pire sur Twitter. Parce que même si le nombre de lettres est limité, on peut aussi retweeter des photos, on peut... Bon, je suis effrayé par la violence des échanges sur Twitter, pour tout dire, entre gens de gauche. C'est affolant. Et malheureusement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi en positif, effectivement.
Moi, dans la campagne électorale que je mène pour le candidat que vous connaissez en ce qui me concerne, je veux dire, je passe ma journée sur Twitter et sur Facebook à relayer tout ce qui se passe dans toute la France sur la campagne. Des heures entières. Des heures entières. Ma femme aussi, elle voudrait casser mon smartphone. Et... Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas mésestimer. Effectivement, Twitch, tous ceux dont on a parlé sont un peu différents de Facebook et de Twitter, et ils y restent peut-être moins longtemps. Mais quand vous touchez des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, même si ce n'est pas très long, ça finit par compter quand même à l'arrivée. Donc je ne crois pas qu'on mésestime. Et moi, je pense que les politiques, y compris les miens, qui ont compris qu'il fallait investir ces réseaux avec un énorme retard qu'on avait sur d'autres, je vous dis, Discord, moi je trouve que c'est un outil formidable. Allez-y, regardez, c'est vraiment un outil qui permet effectivement, là, pour le coup, d'échanger, de retweeter. Donc voilà, il ne faut pas rejeter parce qu'autrement on est has-been complet, quoi. Oui, vous êtes 4 jeunes militants politiques. Je voulais savoir comment vous utilisiez ces réseaux sociaux pour nourrir votre militantisme et nourrir votre réflexion politique. Du coup, une autre question un peu à tiroir. Est-ce que par rapport à une idée ou par rapport à un programme ou une intention politique, vous utilisez ces réseaux pour croiser les réflexions entre différents champs politiques, entre différents penseurs, philosophes? Est-ce que vous allez un petit peu utiliser ces réseaux pour des finalités politiques, justement? Quelqu'un a subtilisé un micro. Il y en avait 2 baladeurs. Ah, il est là. Vas-y. Merci. Tu as vu? Il baisse avec l'âge. Déjà, pour ma part, en tout cas, je sais que sur les réseaux que je suis, il y a une personne qui s'appelle Hugo Décrypte, qui permet en fait de suivre les programmes. Il va parler en fait de manière générale d'un peu tout ce qui se passe en France, voire même dans le monde en fait, tout simplement. Et en ce moment, du coup, avec les élections qui arrivent, il parle énormément de politique. Il invite les candidats à venir débattre avec lui, à venir répondre à des questions. Et du coup, moi par exemple, je vais pas mal m'informer avec cette personne, parce que j'aime beaucoup sa façon de faire. Après, évidemment, on peut suivre, entre moi je sais que je le fais, les personnes qu'on va soutenir politiquement parlant. Pas forcément dire qui je soutiens politiquement, mais je vais le suivre sur les réseaux, je vais regarder ce qu'il fait et je vais m'intéresser à ça. Et je trouve ça intéressant en fait, parce que par exemple sous certains posts que la personne en question va faire, on va pouvoir débattre et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Effectivement, moi je l'ai vu aussi sur Twitter, des extraits de ses interviews, c'est pas mal du tout, et j'ai beaucoup retweeté certaines de ses questions à mon candidat. Yes, vas-y. J'ai juste une petite intervention. Il y a un danger quand même, les réseaux sociaux, je vais vous expliquer pourquoi. Surtout pour vous qui êtes étudiants, il faut faire attention aux photos que l'on met. Parce que quand il y a le recrutement, moi je le sais, je suis chef d'entreprise, etc. Il y a des chercheurs de tête, comme on dit, qui sont payés et qui remontent sur plusieurs années sur votre profil, sur Facebook, sur tous les sites. Et si par exemple vous étiez avec un joint, l'alcool, etc., ça va être un élément pour vous mettre de côté. Et je connais plusieurs cas, c'est arrivé, et y compris une fille qui a fait médecine et tout, elle a eu quelques difficultés pour l'embauche dans une clinique privée, parce qu'on lui a sorti une photo qui datait de quelques années avant, quand elle était au lycée, etc. Voilà, il y a ces dangers. Et l'autre question que je pose, j'ai beaucoup de liens internationaux par la famille, etc., c'est l'uniformisation de ces réseaux sociaux. Parce qu'en fin de compte, il y a une bataille des idées qui devient presque une bataille des idées un peu unique. Et ça, je pense que c'est un danger. C'est pour cela qu'il y a des chefs d'État qui utilisent Twitter pour, des fois, le pire, ça a été Trump, une décision politique, au lieu de faire une conférence de presse et tout, il balançait le tweet par son téléphone sur une décision qui touchait la planète entière. Voilà, il y a ces dangers-là.
Je vais tenter de répondre. Déjà, c'est une question très intéressante sur les figures qui s'affichent. Alors, il y a toujours moyen de faire du nettoyage. Faire du nettoyage de son profil, mettre un pseudonyme, voilà. On a aussi des camarades, ça répond aussi à la question de la camarade, on a dans nos organisations militantes, des personnes qu'on floute, voilà, qu'on ne met pas les noms et choses comme ça, on le met de plus en plus en place, justement pour protéger les militants là-dessus, sur cette question-là. Pour répondre aussi à la question sur comment on milite politiquement avec ces réseaux-là, déjà, Salomé a fait un point sur l'information. Oui, il y a moyen de trouver des trucs. Bon, après, on est aussi critique du GoDécrypte qui fait que parler de l'AFP, voire de l'information de type gouvernemental, ça va pas plus loin qu'une analyse inexistante, en fait, de la réalité, voire partiale. Donc, bon, il y a aussi des critiques à faire. Après, c'est vrai que pour dégrossir, il y a des bons moyens. Hein, on lit de tout, et des fois ça permet aussi de faire son avis. Mais pour la question sur le militantisme, voilà, par exemple en ce qui concerne la JC, on est très présent sur Instagram et sur Facebook principalement. Et c'est vrai qu'on le voit hein, depuis quelques années, que ces nouveaux réseaux, comme par exemple Instagram en l'occurrence, prennent beaucoup plus d'ampleur et on a beaucoup plus d'échanges à ce niveau-là que sur ceux qui sont plus vieillissants, je pense à Facebook notamment. D'autres réseaux, on a pris la décision, par exemple Twitter, de ne pas y être ou d'y être très légèrement, parce que c'est très casse-gueule en fait, de répondre dans l'immédiat sans en parler avec les camarades, on peut amener à des conséquences médiatiques qu'on n'avait pas soit anticipées, soit pas voulues. Derrière ça, on milite aussi en annonçant des événements, des actions qu'on mène, des actions en général, et aussi avec des bilans de ce qu'on a fait. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, en postant des photos, en faisant vivre en fait finalement une vie numérique, parce qu'elle a une influence sur les jeunes. C'est sûr. Après, il faut se rappeler, et c'est aussi une question qu'on avait, on avait entendu dans un débat il y a quelques années, de faire voter aussi en ligne, par exemple. Aujourd'hui, on vote encore dans des urnes, et tout l'enjeu, c'est la camarade l'avait rappelé tout à l'heure, une tentative de militer que sur les réseaux, ce qui a très limité parce que Jeff l'a aussi dit, discuter avec les gens dans la rue, le boitage, le tractage, tout ça, ça a quand même encore une influence très importante et majeure en fait sur la question politique, et que la question numérique, une fois qu'on a éteint son appareil, des fois ça nous sort de la tête en fait, et on met nos tripes derrière l'écran parce qu'en fait on voit pas son interlocuteur. Et en fait c'est très casse-gueule, on a même entre nous, on parlait tout à l'heure des gens de gauche qui s'écharpent pour pas grand chose, mais même dans les formations politiques ou les organisations politiques qui sont la même, ça prend des proportions énormes, parce qu'on n'a pas ce recul humain de voir la personne en face et de pondérer son propos. Et vous savez, il y a aussi des codes sur les réseaux, comme sur la communication électronique en général. Si vous mettez un point à la fin d'une phrase dans un livre, c'est tout à fait normal. Dans un message, vous paraissez froid. Si vous mettez trois petits points, c'est pas deux points, c'est pas quatre points. Il y a vraiment tout un code. Si vous écrivez en majuscule, vous criez, voilà. Tout ça, vous le connaissez. Mais du coup, imaginez ça sans avoir le visage de l'autre ou le langage corporel. En fait, on peut mal comprendre des messages. C'est pour ça qu'on privilégie, en tant que militant politique, les rencontres en vrai, les réunions en présentiel. Voir en Discord avec une vidéo parce qu'on voit son interlocuteur, qui permet en fait d'anticiper ce genre de problème qu'on peut avoir. Voilà. Et tout ça, bien sûr, il faut l'analyser matériellement parlant, pour notre part, puisqu'on est marxiste, mais et d'en donner une réelle réponse qui puisse se faire comprendre par tout le monde, quoi, notamment par la jeunesse, en ce qui nous concerne. Je confirme qu'effectivement, réagir très vite par un post, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, je suis malheureusement bien placé pour le savoir, ça peut vous coûter très cher. Oui, donc moi j'ai une question. On se connaît, hein, les camarades, on milite à la JC. Donc voilà, donc, la question c'est qu'avec la
avec l'avènement de nouveaux réseaux sociaux qui partagent des contenus qui deviennent de plus en plus courts, qui ont des engagements qui sont de plus en plus importants. On va dire, on passait de vidéos YouTube qui pouvaient durer jusqu'à une heure à maintenant des vidéos shorts ou alors TikTok qui propagent des vidéos extrêmement courtes afin de maximiser l'engagement et donc le temps passé sur ces 10 réseaux sociaux et donc maximiser de ce fait, on va dire, la régie publicitaire. C'est comme ça que souvent que ces plateformes font tout l'argent. Pardon. Ah, bon, je recommence alors. Non, c'est bon. Et donc, ma question, c'est justement comme ces réseaux partagent des messages qui sont extrêmement simples, extrêmement basiques, est-ce que ça ne privilégie pas, on va dire, un camp politique par rapport à l'autre, par l'extrême droite ou l'extrême gauche ? Les récentes études sur qui effectivement s'exprime le plus, a le plus de retombées des réseaux sociaux. Toutes les études sociologiques ou économiques qui ont été faites depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, montrent que malheureusement, c'est effectivement l'extrême droite qui tient les extrêmes droites et les droites extrêmes qui tiennent le haut du pavé sur les réseaux sociaux. C'est dramatique et ça explique peut-être aussi les scores qu'on nous annonce pour ce dimanche et celui d'après. Donc je crois qu'on a mis du temps, la gauche, les militants de gauche, les différents partis de gauche, les différentes formations de gauche. On a mis du temps à s'investir sur ces réseaux, considérant que ce n'était pas fait pour nous, parce que les classes populaires, elles ne regardent pas les réseaux sociaux, ce qui est une absurdité. Les classes populaires, justement, elles sont sur les réseaux sociaux, et on les a trop longtemps abandonnées. Je crois que, malheureusement, on en est là aujourd'hui. Oui, vous m'entendez bien ? Oui. Juste rajouter qu'il y a aussi des gens qui s'informent uniquement grâce aux réseaux sociaux et qui du coup vont pas forcément voir des très longues discussions ou même sans forcément parler de discussion, mais lire par exemple des articles ou des pavés ou et vraiment avoir se renseigner pour vraiment se faire une idée de la chose. C'est très facile de lire juste un petit tweet ou quelque chose qui synthétise finalement une idée en 5 lignes, 10 lignes, plutôt que d'aller se farcir des bouquins, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être... C'est un risque à prendre en compte, en tout cas. Je ne vais pas dire que les réseaux sont uniquement négatifs ou quoi, enfin, pas du tout. Mais voilà, faut savoir aussi... En haut de la salle à gauche. J'ajouterais très rapidement que les réseaux sociaux permettent très rarement d'avoir une pensée complexe, sauf sur ceux qui sont en direct, sur YouTube, peut-être sur Telegram, à la limite. Parce que soit on a une limite de temps en durée, souvent des vidéos de moins d'une minute, particulièrement avec TikTok. Au début, on était sur des vidéos de 10 secondes, puis 15. Maintenant, on est à 1 minute 30, je crois. 3 minutes même. Twitter, on est à quelques centaines de caractères maximum. Comment on peut avoir une pensée politique complexe avec 240 caractères ? Voilà. Alors, moi, je voulais vous poser une question. C'est finalement, j'ai l'impression que vous avez commencé assez jeune à aller dans ces réseaux sociaux, peut-être pas tous au départ, et puis au fur et à mesure, vous avez élargi le champ. Vous y passez beaucoup de temps. En tant que grand-mère, ça m'inquiète un peu. En tant que praticienne, ça me fait peur parce que je ne sais pas du tout faire ça. Et je n'ai pas envie, je me demande ce que c'est ce genre de choses. Par contre, je suis très étonnée de voir le recul que vous arrivez à prendre par rapport à ça et de voir que vous avez un engagement politique important puisque vous avez adhéré à... etc. Donc je me dis que malgré tout, tout n'est pas perdu. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est comment vous avez fait pour prendre ce recul ? Enfin, comment vous expliquez ce regard que vous avez, finalement, assez critique sur ces réseaux sociaux et la pratique que vous en faites ? Alors, moi, personnellement, c'est parce que j'ai eu une éducation, en fait, qui m'a permis de toujours me poser des questions sur tout. Ce qui est un peu chiant, hein, je vous avoue, parce que poser des questions tout le temps sur tout, c'est un peu embêtant. Mais par contre, mes parents m'ont toujours appris à avoir toujours un sens critique, à voir les bonnes choses et à voir aussi les choses négatives qui peuvent arriver. J'ai toujours été baignée là-dedans, en fait, et dans
dans quelque chose où dis ok, c'est bien, t'as quelque chose de positif là, mais il n'y a pas que ça, ou s'il n'y a que ça, est-ce que t'es sûr qu'il n'y a que ça? Et j'ai toujours eu ce sens critique en fait depuis que je suis toute petite, rien qu'avec mes poupées, oui elle est belle, mais est-ce qu'elle est intelligente, enfin, des choses comme ça. Mais du coup, voilà, moi c'est ça qui me permet aujourd'hui de voir en fait que les réseaux sociaux, oui c'est bien, mais qu'il y a aussi des choses qui... Voilà, c'est mon éducation en fait, tout simplement. Merci. Oui, juste une question. Moi, pendant des années, je me suis consacré à l'étude de la fabrication du sens à partir essentiellement de textes. C'était mon boulot. Et je suis un petit peu inquiet quand je vois que actuellement, vous avez appris à utiliser ces réseaux. Alors, je vous rassure, hein, j'y connais rien. Je suis plus que croulant. Moi, je suis même pas à Facebook. Donc voilà. Mais pour aller vite, vous avez un regard critique et en même temps vous connaissez des codes. Mais que vous n'avez pas appris autrement que par la pratique de ces choses-là. Quand est-ce qu'on aura la possibilité de donner à tous les enfants dans les écoles la capacité à raisonner là-dessus et ne pas absorber les choses telle qu'elle, immédiatement. J'y reviens, moi je suis effrayé de voir un certain nombre d'images, allez, je vais me limiter à cela, d'un certain nombre d'images qui sont prises au pied de la lettre hein, par la majorité des gens en se disant « je l'ai vu, donc c'est juste ». Mon boulot, moi, ça a été de dire aux gosses « c'est pas parce que c'est dans le journal que c'est juste ». De dire, c'est pas parce qu'un auteur l'a écrit que c'est juste. Il faut se demander comment ça a été écrit, par qui, pourquoi, et quels effets il induit à partir de sa façon de l'écrire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on ait, quelque part, un véritable travail d'enseignement, d'utilisation de ces médias? Voilà, c'est tout, pas plus. Quand on aura viré Blanquer... Oh là là, s'il n'y avait que lui. Alors, mais Pierre pourra en parler, parce que regardez toute la polémique depuis 3-4 jours sur les assassinats en Ukraine, les Russes disant que c'est pas eux, alors que les vidéos ont été trafiquées, que c'est des gens qui ont joué, et en fait, avec une analyse très fine par les spécialistes, ils ont montré que c'était juste des questions de gouttes de pluie, de rétroviseur, de cadrage de l'image. Donc, tout le monde aujourd'hui peut trafiquer des images. Tout le monde peut trafiquer des images. Et c'est pas parce qu'on l'a vu à la télé, comme on disait avant, que c'est vrai, sauf quand je l'ai présenté. Oui, juste pour rebondir dessus, avant de répondre à cette très bonne question, c'est vrai qu'on se souvient de la guerre d'Irak, hein, les grands mensonges qui étaient tout à fait médiatiques, en fait. On pense aussi au camp Ouïghour, en fait, où on a des photos d'école ou de prison, bref. Finalement, quand t'es pas sur le terrain avec une analyse, t'as du mal à juger juste avec des images de satellite. Alors c'est une très bonne question, merci Kamar de la poser. Au sein de chez nous on appelle tout le monde camarade parce que on est des frères et des sœurs. Là-dessus, on en parle au sein de l'AJC et comme je ne vais pas refaire les lignes, vous savez qu'une fois que la commune de Moscou a tenu, la question qu'on avait posée à Lénine, c'était de « Maintenant, camarade, quelle est la priorité ?» Il a dit « La priorité, elle se tient en trois points. S'éduquer, s'éduquer, s'éduquer. » Bref, je ne vais pas vous refaire le castrisme non plus hein, sur pourquoi Cuba aujourd'hui a la meilleure éducation du monde, alors que ils subissent encore aujourd'hui un blocus quasiment total de leur économie, et aussi une santé, ils nous ont emmené 400 médecins pendant le Covid, ça nous a sauvé des dizaines de milliers de vies françaises et humaines au travers du globe. Là, Castro disait, on est présent dans tous les pays du monde, mais pas avec nos bombardiers, avec nos médecins. Et ça, c'est une question d'éducation. Et au sein de la JC, on a un camarade qui est formé en infocom avec un master, ce camarade Jean-Louis, qui est reparti en Corse sur son île, qui travaille dans ce domaine-là et qui nous dit, qui est au sein de la JC, qui nous dit souvent, il faut apprendre à coder aux enfants dès le plus jeune âge, ça doit être une matière dès le collège, et c'est d'une importance cruciale. En même temps, je vais rebondir, en tant que militant communiste, nous on a des principes comme la critique et l'autocritique. On a ce que résumait finalement Salomé par l'éducation, et elle a bien dit avec ses mots, on
on critique les autres et on se critique soi-même, et c'est avec ça qu'on avance. Je vais pas vous faire une leçon gramschiste, mais voilà, c'est... Non, parce qu'il nous reste 18 minutes. Mais je pense qu'il y a déjà certains que... Même pour les écrits de prison, ça serait un peu juste. C'est ça. Alors, moi j'avais juste un mot. On voit la différence, la maîtrise que vous avez des réseaux sociaux, du fait que vous êtes une organisation de jeunesse. Il peut y en avoir d'autres. Ce qui vous permet, je le sais, que vous vous réunissez régulièrement le samedi après-midi, vous débattez entre vous, c'est que ça vous permet d'avoir des rapports sociaux. Par contre, moi je connais autour de moi beaucoup de jeunes comme vous, de votre âge, qui sont vraiment seuls ou entre frères et sœurs, qui passent des journées entières devant l'écran, et donc ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit. Et je crois que là, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est-à-dire l'isolement, parce qu'on le voit aujourd'hui, les parents ou les grands-parents ici présents peuvent s'en apercevoir avec leurs enfants et petits-enfants, et je veux dire, ça, c'est vraiment le problème. L'avantage que vous avez, vous, sur d'autres, c'est que vous êtes organisé, vous réfléchissez, et vous essayez, tout en étant un peu addict quand même de ces réseaux sociaux, de pouvoir vous en défendre. Voilà, c'était ma... D'autres personnes ah. Oui, je voulais savoir, vous n'avez pas parlé de WhatsApp. C'est pas... C'est vu aussi, ça enfin, c'est démodé parce que dis ça. Alors, concernant WhatsApp, alors moi personnellement, je l'utilise très souvent. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le considère pas comme un réseau social. Parce que pour moi, en fait, c'est une façon... C'est une application de messagerie, exactement. Et ça, c'est pour ça que moi, je ne le considère absolument pas comme un réseau social. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Après, c'est, on aurait pu en parler et on aurait pu discuter aussi... Non, tu peux. Bon, vous avez compris, WhatsApp c'est démodé, je suis assez d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai une précision. Je vais vous apporter, la semaine dernière, j'ai téléphoné en Russie par WhatsApp. J'ai mon fils qui est en Chine, il m'a téléphoné hier matin par WhatsApp. Donc c'est un moyen de communication extraordinaire. J'ai mon frère qui est au Brésil, on communique par WhatsApp. Donc c'est un outil de communication que je ne mettrai pas au même niveau que les réseaux sociaux. Pour préciser, voilà, j'ai travaillé de novembre à mars là, en recherche internationale universitaire dans le cadre de l'université franco-russe, bon, jusqu'à ce qu'une guerre se déclare et que je puisse plus continuer mes études. Mais l'outil qu'on utilisait pardon, pour discuter, donc en anglais forcément, vu que mes collègues russes ne parlent pas le français et moi je parle très mal le russe, c'était WhatsApp. Mais en fait, on l'utilisait parce qu'on avait déjà le contact des autres en fait. Et on parle de réseau social quand vraiment on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, qui ne soient pas notre cercle direct. Voilà. Une messagerie, ça peut être une messagerie par SMS, hein, par téléphone, ou par le Messenger de Facebook, ou par à une époque où on avait MSN, c'est déjà il y a 20 ans. Mais voilà, ces applications de messagerie qui sont distinctes du réseau social, qui ont leur incidence dans le domaine de l'information, évidemment, mais comme l'a rappelé Jean-Pierre, ou Jeff, c'est difficile de parler de réseaux sociaux à ce niveau-là. Moi, je voulais vous demander par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce que je pense à vous particulièrement, est-ce que ça peut être, il me semble dans vos propos, que ça peut être une aide tout à fait positive par rapport, c'est ce que j'ai ressenti dans vos propos, par rapport à l'image aussi donc que l'on a des femmes et que vous pouvez peut-être, est-ce que ça peut vraiment vous aider à vous dégager de cette image et de l'image patriarcale qu'on donne aux femmes encore à l'heure actuelle. Je voulais savoir, vous, en tant que jeune femme, quelle est votre position par rapport à ça ? Moi, personnellement, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée à comprendre que c'est pas parce que je suis pas... enfin, je pèse pas 45 kilos, par exemple, que je suis pas belle. Ils m'ont beaucoup aidée à comprendre que c'est pas parce que j'ai des versetures sur les jambes que ça veut dire que je suis pas belle. Et je suis pas la seule à ce niveau-là, mais par contre, je veux quand même noter que... Là, je parlais de la femme, parce que forcément, je suis une femme, et c'est plus facile pour moi de parler de ça, mais ça aide aussi... Enfin, pour moi, ça aide aussi la cause masculine, parce qu'il faut pas oublier que les hommes aussi ont des carcans de société... Enfin, des carcans de la société. Et que ça aide aussi, en fait, à montrer que, oui, un homme, ça pleure. Oui, un homme, ça peut montrer ses sentiments. Oui, un homme, c'est pas fort, musclé. Enfin,
moi, je trouve ça très important de montrer en fait ça. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus présent. C'est vraiment pas parfait, mais c'est de plus en plus présent. Et ça aide vraiment à ce que, bah, surtout pour les jeunes filles, en fait, qu'elles comprennent que non, Kim Kardashian, c'est pas la réalité et c'est pas ce qui se passe tous les jours. C'est pas le physique de tout le monde. Donc oui, pour moi, c'est quand même très positif. Voilà, merci. Globalement positif, bien sûr. Je veux juste rajouter aussi, bah, comme le fait qu'il y ait sur les réseaux sociaux un petit peu politique, comme Twitter ou Instagram, il y a aussi des gens qui s'expriment, bah, je parlais des féministes tout à l'heure, mais qui du coup vont faire un petit peu de la vulgarisation, vont aller déconstruire certaines choses. Donc du coup, moi, ça m'a aussi permis, bon, j'ai toujours été un petit peu pour l'égalité des genres, mais je veux dire, ça m'a permis peut-être de poser des mots sur des pensées que j'avais. Donc en ça, les réseaux sociaux, ça peut aussi permettre de, voilà, de se faire un avis, de se faire une opinion. Tout dépend vraiment de la manière de les utiliser, j'ai envie de dire. Et voilà, ça peut tout à fait être formateur. Mais voilà, faut pas juste se focaliser là-dessus. Mais... Une dernière question pour respecter les horaires à la fois de travail des salariés qui travaillent ici et puis les nôtres. Une dernière question, il y en avait une, il paraît, Jean-Pierre m'a dit, dans la salle, s'il y en a plus. Il n'y en a plus ? Bon. Ah oui, la toute dernière alors. Il ne faut jamais relancer trois fois. Avant que vous partiez, je rappelle que s'il y en a qui n'ont toujours pas lu mon bouquin sur mes 37 ans de bagarre dans l'audiovisuel public, j'en ai deux ou trois dans mon sac. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'étais très inquiet en vous écoutant, parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont très difficiles, parce que tout ça peut être pris par l'idéologie dominante. Alors, ce qui m'a rassuré, c'est que vous êtes... Des jeunes communistes. Ça m'a vraiment rassuré, parce que j'espère que vous le resterez, mais il faut faire très attention ben oui, il faut quand même faire très attention à ce qui se passe, parce que là, actuellement, il se passe des choses redoutables, hein. Le capitalisme n'est pas mort, et si actuellement, ce qui se passe en Ukraine, et avec la Russie, etc., tout ça, c'est le capitalisme qui est là et qu'il faut combattre. La guerre a toujours été créée par le capitalisme, de tous les bords. Sur ces belles paroles, on va peut-être s'arrêter là. Donc je voudrais, avant que Jean-Pierre conclue, vous remercier. Je ne conclue pas, mais je vous remercie. Alors les jeunes, vous nous avez ouvert un peu ce secteur qui nous est un petit peu méconnu. C'est pas si Tovarlitch, qui fait du russe. Voilà, voilà. Non, je crois que c'était bien, ça nous interroge. Là aussi, on voit que garder des rapports humains, des rapports sociaux, ben, il y a besoin d'organisations, hein, qu'elles soient syndicales, ou politiques, ou associatives, et sportives, parce que moi, mon souci que j'ai par rapport aux réseaux sociaux, c'est l'isolement. Donc, voilà. Alors, on va conclure donc cette soirée pour vous dire la prochaine conférence, qui est très d'actualité, c'est le jeudi 21 avril, c'est les dangers d'une guerre nucléaire par Pierre Villard, président honoraire du mouvement de la paix, et je crois que c'est très intéressant dans les moments difficiles que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, il y aura un débat, donc le 12 mai, c'est un peu plus tard, sur les exilés politiques à Nice par Véronique Touin. Donc on vous donnera au fur et à mesure le programme, voilà. Alors peut-être que Pierre, de retour d'Ukraine, peut-être tu pourras nous faire quelque chose si des fois tu es disponible, parce que quand même tu étais sur le terrain et tu peux... Je vais y retourner maintenant. Ah, tu vas y retourner. Eh bien alors à ton prochain retour, tu pourras nous donner des éléments, parce que quand même ça perturbe toute la planète et on est tous inquiets de cette situation. Merci aux Amis de la Liberté de nous avoir proposé ce débat ce soir. Merci à vous d'être venus si nombreux.